Hey, salut à tous les amis, c'est Nerastrakos et bienvenue dans ce nouveau jeu d'horreur, Bunker 16, un jeu qui a été développé sur Unity. Donc les graphismes, vous allez voir, sont assez bien faits. C'est parti. Donc une petite introduction. On s'appelle Peter Reed. On va dans un bunker abandonné suite à un orage. Et bien sûr, la porte se ferme derrière nous. On a une lampe. On cherche de la nourriture et de l'eau. Notre but est de trouver un chemin pour sortir de ce bunker. Et la batterie de notre flashlight ne dure pas éternellement. Bon, là c'est les commandes de base pour bouger, pour ouvrir les choses. Différents modes pour la flashlight. Et il faut lire toutes les notes. Ok, donc il va y avoir plein de choses à lire. Je mettrai un peu de temps et si jamais vous voulez lire, vous pourrez cliquer sur pause. Si jamais vous avez du mal avec l'anglais, vous pourrez me dire, je ferai des traductions sur le côté. Hop. Et c'est un jeu qui comporte plusieurs fins, donc on va voir si on peut toutes les trouver. C'est parti. Ok. Hop. Ok. Donc ça c'est l'entrée du bunker, ça veut dire. Hop, ouais, on peut plus sortir. Ok. Gott mit uns. C'est de l'allemand ça. Ok, donc on est dans un bunker allemand. Bien, bien. Ouais, donc ça va, les graphismes sont... Les graphismes sont bien. Ok. Les bruits d'ambiance sont pas mal. Première porte. Des lits. Ok. Des casiers. Il y a rien dedans. Ok. Vous n'êtes pas encore fatigué. Comment ça, il va falloir dormir là-dedans? Ok. C'est une bonne place pour dormir. Ah, bathroom! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un de mort là-dedans? Non, ok. Soit il y a quelqu'un. Les couloirs sont très étroits. Non, il n'y a pas de courant. Ok, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, une note. Journal de George Walker. Ok, donc apparemment, à ce type, il lui est arrivé la même chose que nous. Bien. Il est toujours là, ce type? J'aimerais bien le rencontrer. On peut ouvrir plein de choses. Ouais, c'est bien. Ok, donc, voilà. Ok, on a trouvé une note. Oh, tiens, ici il y a du courant. Oh. Ah, ok, c'est les différents modes pour la flashlight. Bon, là vu que c'est allumé, on va garder la batterie. Oula, c'est assez creepy ici. Nouvelle note. Ok. Cool, on peut pas cuisiner. Qu'est-ce que c'est? Où installer des fusibles? Voilà. Ah, ok, il y en a qu'un seul et on peut le placer où on veut.
Ok, donc il faut faire ça intelligemment. Ok. On va mettre Onway. On va voir. La la la. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas censé être un bunker abandonné. Comme ma flashlight s'est éteinte toute seule. Ok, on continue. Ah, non, on peut pas prendre les bandages. Ok. Là, c'est vraiment étroit. Je pense que ce jeu n'est pas fait pour les claustros. Parce que je pense qu'on peut très vite se sentir oppressé là-dedans. Nouvelle note. Chercher une clé pour ouvrir. Eh bien, ça s'annonce amazing. Nouvelle porte. Hop. Bonsoir. Ok. Ah, hop, hop. Ah, note ici. Le mec, il a pas trouvé la clé. Il voulait chercher une pied de biche, mais il n'y en avait pas. Ah, voilà. Ok. Ouais. D'accord. J'ai merdé. nouvelle note. Ok, lui aussi il a dormi ici. Je me demande ce qui lui est arrivé. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille dormir aussi? Ah ouais. Hop, allez. Première nuit. Que va-t-il se passer? Ah oui, ok. Il ronfle. Ok. Bonsoir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Oui. Il y a quelqu'un qui est rentré là, non? Réveille-toi. Ok. Ah. Ce quelqu'un a déposé une note. Merci. Ok, donc ce mec il a aussi entendu des bruits bizarres. Génial. Donc ça veut dire qu'on n'est pas fou. Si quelqu'un a entendu les mêmes choses. On peut pas partir? Non. Ok. Là-bas apparemment il y a une note, mais je vais faire le même trajet. Il y avait des tonneaux ici. Ils étaient pas de ce côté-là. Je me souviens pas. Non, non, non. Bonsoir, madame, mademoiselle.
qui vous soyez. Ok. Ok. Ouais, donc lui aussi. Ok, donc ça veut dire que ça a bien été déplacé. Sauf que le mec, il était armé d'un tuyau. Nous, on n'a rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était ici que c'était censé être allumé? Certainement. Oula, le bureau a été déplacé. Il manque des choses là. Et il y a ça de nouveau. Got me hints. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu vois celui du bas? Non. Ah, ici la note. Tu vois. Ouais. Bonsoir. Oh God. Oh God. Ok. Ah, nouvelle note. Lui, il a voulu faire le malin, il est allé. Quoi? Quoi? Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là-dedans? Fais voir. Mais dans. Voilà. Hop, on va. Oui? Oui? C'était quoi ce bruit? Oh putain. C'est quoi ce bruit? Ça vient de là-dedans? Hein? C'est quoi ça? Oh purée, j'aime pas ça. Oh, une clé? Oui. Prends, prends. Ok, merci. Quoi? Oh. Oh, non, non, merci. Au revoir. Quoi? 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 Oh, on se calme, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre ça. Bon. Hop, on met pour le couloir. Allez, allez, allez. Ça suffit, je pars d'ici. Merci, au revoir. Oh, oh, c'est quoi ça? Oh mon Dieu. Oh God, oh God. Ok. Non, pas que je suis en train de dire. Merci. J'ai dit non. Arrête. Quoi? Oh mon Dieu. Bon, écoutez, je vais être out of time pour cette partie. Ok, je pense qu'on a déjà un très bon aperçu de l'ambiance du jeu. Je sens que la suite va être folklorique. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne, à aimer la vidéo et à laisser des commentaires. Je vous retrouverai pour une deuxième partie de Bunker 16. Ciao les amis!